Bienvenue au collège Octave Gachon. Le collège se situe à Parsac, en Creuse. Je suis Fanny Val, enseignante de SVT et référente développement durable dans ce collège. J'ai contacté les dorloteurs d'abeilles à la rentrée scolaire car je cherchais un support pédagogique d'observation tout en sensibilisant les élèves aux pollinisateurs. Les dorloteurs nous ont fourni un kit constitué d'un dorlotoir, de graines, d'affiches et de livrets pédagogiques. J'ai ainsi pu développer l'observation et la description chez les élèves qui ont pu ainsi développer les compétences à l'oral et à l'écrit puisqu'ils ont tenu un carnet d'observation pendant plusieurs semaines. Et ce projet a très bien fonctionné, nous avons observé des choses très riches, ce qui nous permet maintenant de pouvoir l'étendre aux écoles du secteur, également dotées d'un dorlotoir. Comme ça, les élèves vont pouvoir comparer leurs observations dans chaque établissement. Avant la mise en place du dorlotoir, nous l'avons enduit d'huile de lin. Nous avons ensuite assemblé le kit envoyé par les dorloteurs d'abeilles. Nous avons déposé à l'intérieur la boîte de cocon reçue en février. Nous avons observé les abeilles s'installer dans le dorlotoir. Nous l'avons mis en place dans le coin biodiversité. J'ai appris que les abeilles mettaient une séparation entre les larves. J'ai appris que les séparations sont composées de pollen et de terre. J'ai appris le cycle de reproduction des abeilles. J'ai appris que certaines abeilles ne piquaient pas. J'ai appris qu'il existe des abeilles qui ne font pas de miel.